Alors, ah, il y a un téléporteur là. J'ai vu un coffre aussi. Il était activé. Ah oui, d'accord, il est tout là-bas. Laisse-moi prendre le coffre. Super. Par contre, je me suis trompé. Faut prendre le TP alors. Bah là-bas, c'est la porte, non? Comment j'ai fait pour me perdre? Là-bas. Bah non, mais j'y suis déjà allé. Je comprends pas, je dois passer par où? Par là alors. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça doit être le fameux démon. Un ennemi. Oh, elle est belle sa lame. Votre épée, c'est bien tonnerre étouffé. Un démon armé d'une épée étrangère, vous devez être le briseur de lame. C'est moi qui recherche. Come on.
Oula, oula. Eh, il met quand même 118 en garde. Hein. Ah, il a fait très mal. Oh là. Oh là. Il est inarrêtable. Oh mais non. Bah ouais, allez. Pff. Mais ça me dégoûte ça. Le mec il est inarrêtable. C'est quoi la justice là? Il bouge encore. Je prends le relais. Viens me chercher. Lol. Enfin un adversaire à ma taille. Attention! La ficelle. Si tu le touches, je te tuerai. Désolé, je me suis un peu énervé. Et du coup, il s'est enfui. Tu connais ce démon? Non, mais je connais son épée. On l'appelle Tonnerre étouffé. Tonnerre étouffé? Peu importe, ça nous concerne pas. Dépêchons-nous de rejoindre le port. Deux niveaux. Brise armure. Anneau dos. Acérite d'armurerie. Augmente le taux de régénération des PV de 50%. Okay. Alors, regardons un petit peu. Ah ah. Donc, vent il l'a pas maîtrisé. Terre il l'a maîtrisé, vent il l'a maîtrisé, flamme il l'a pas maîtrisé. Attends, parce qu'il y a peut-être d'autres trucs. Il a tout maîtrisé. Allez hop, c'est gratuit. Voilà, elle a tout à apprendre. Eh, hey, la 7, je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai cru qu'il allait te tuer. Oui, je sais, tu fais seulement ce que tu croyais juste.
Oui, je crois. Alors, ce n'est pas grave. J'aurais dû te dire clairement que je préférais que tu restes en dehors de ça. Si jamais ça devait se reproduire un jour, je te préviendrai clairement. Tu veux vraiment pas que je t'aide, même si ta vie est en danger? Oui. Pourquoi? En fait, je ne sais pas trop moi-même. Hein? Il y a quelqu'un que je dois vaincre de mes propres mains. Je veux le vaincre, l'anéantir. Mais pour cela, il faut que je devienne un meilleur épéiste. Tu dois battre quelqu'un? Oui, en duel. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être en mesure de remporter la victoire. Peu importe ce que ça me coûtera, ma vie, mes bras, je vends même mon âme s'il le faut. Ce sentiment me ronge depuis si longtemps et j'ai perdu toute humanité en cours de route. Pourquoi veux-tu à ce point gagner? Pour être honnête, ça me dépasse. Peut-être parce que je suis un démon, ou peut-être c'est juste à cause de ça que j'en suis devenu. Hein. En tout cas, ça compte plus pour moi que ma propre vie. Plus important que ta vie? Ça ne change rien au fait que je te suis redevable de m'avoir sauvé. Je ne pourrais pas remporter la victoire si je meurs avant. Ok. Ah, c'était étonnant quand même qu'il l'attaque. C'est comme ça que tu remercies quelqu'un de t'avoir sauvé la vie? Je voulais juste être honnête, c'est tout. Sans vouloir te vexer, en quoi ça te dérange? Tu ne vois pas en quoi c'est un manque de respect? Aucun doute, tu es bien un démon. Et voilà, un démon jusqu'à l'os. Ça la dégoûte, mais elle va finir par... Oh là, elle va finir par comprendre. Hein. Ils sont méchants, mais c'est pas... C'est pas de la pure méchanceté. Je peux pas passer par là? Où je vais alors? Ah. Évidemment. On va aller chercher le petit coffre. Ah, il y en a encore un là-bas aussi. Frange coiffée à droite. Okay. Non, merci. Putain, mais lui, il arrive trop vite, hein. C'est insane. Y a pas un truc. Ouais. Peut-être qu'il y a un pouvoir que j'ai pas encore, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Eleonore, merci de m'avoir protégé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai reçu l'ordre de te protéger, c'est donc ce que j'ai fait. Je vois. Mais évidemment, j'en ai reçu l'ordre ou non, je porterai secours à toute personne attaquée par un démon. Comme c'est noble à toi. Ça y est, je m'en souviens. De quoi tu parles? La tragique histoire de l'épée tonnerre étouffée. Approchez-vous et venez écouter. Oh, crasseux voyageur! Il était une fois une épée qui était renommée dans le monde entier pour son tranchant inégalé. Personne ne savait s'il l'avait forgée. Qui l'avait forgée? Chaque coup d'épée était si puissant qu'il déchaînait des rafales de vent hurlant, capable de balayer des montagnes. Aucune autre épée ne faisait le poids contre elle, et les gens commencèrent à l'appeler l'épée divine. Cette épée divine, c'est tonnerre étouffé? Chut! Le conte ne fait que commencer. Il y avait un homme qui était véritablement passionné par l'épée divine. C'était un forgeron extrêmement talentueux nommé Kurogane.
Il décide donc de forger une épée encore plus formidable. Il avait déjà choisi le nom qui lui donnerait, Tonnerre étouffé. Elle devait être en mesure de surpasser le vent hurlant et de l'épée divine. Et il a réussi. Kurogane fabriqua moult épées pour défier l'épée divine, mais aucune des tonnerres étouffées potentielles ne put résister au vent hurlant. D'aucuns racontent que le détenteur de l'épée divine lui coupa la tête, d'autres disent qu'il mit lui-même fin à ses jours. La vérité s'est perdue dans les recoins poussiéreux de l'histoire, mais peut-être que cet homme et son ressentiment contre l'épée divine ont, d'une certaine manière, survécu. Une rancune qui se perpétue sur plusieurs siècles. J'entends des histoires de ce genre tous les jours. Je parie que cette épée et son inscription ne sont que des imitations inspirées de la légende. Peut-être, mais si c'est véritablement Tonnerre étouffé, nous ferions mieux de ne dormir que d'un œil cette nuit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait que cette fameuse épée divine que Kuragane voulait si ardemment surpasser se soit transmise de ma famille depuis des générations. Son nom est Tonnerre hurlant. Alors tu es en train de dire qu'il y a de fortes chances que nous recroisions ton ami? Accélérons le pas. Tunnel de Vester. C'est vraiment une ville, ça? Tu comprends ces vieux écrits? Non, j'ai étudié plusieurs langues, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Et toi, Eleonore? Tu arrives à lire? C'est la première fois que je vois cela, moi aussi. Où as-tu trouvé un si vieux livre? Nous sommes tombés dessus dans la capitale. Que veux-tu que je te dise? Il adore lire, ce petit. Il trouve que de nombreux Malakim aiment lire. Bien et fou, et de cela, lui aussi. Je l'ignorais. C'est vrai, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il lit. On m'a appelé? Bien fou, tu aimes lire toi aussi? J'adore ça, les livres sont une vraie mine de connaissances. Mais je suis un peu plus grand malade que toi, la ficette. Mes lectures risquent d'être inaccessibles. Comment convaincre une humaine de devenir son vassau? Comment combler ses conquêtes? Combler ses conquêtes? Ça veut dire quoi? Crois-moi, c'est préférable que tu ne saches rien. D'accord. Bon, je vais confisquer tout ça. Et j'ai quelques questions, bien fou. J'espère que tu es prêt à subir une véritable interrogatoire. Des barres. Un bien fou, c'est un petit... Ah, je le pensais pas comme ça, hein. Super. Il y a pas d'ennemis. Ah si. Je suis pas censé arriver en ville, moi. C'est quoi ce truc au milieu là? Wow. D'accord. Ça va être chaud. Hein. Même de dos, il... Ok. On stun des fois ou pas?
Super. Super, super. Ok. Oh non, 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 non. Ah, ça va. La ficette, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ne lui fais pas confiance uniquement parce qu'elle prétend qu'elle te protégera, même sans en avoir reçu l'ordre. N'oublie pas que les Malakim ne sont que des outils pour les exorcistes. Mais elle m'a vraiment protégé. Je sais que tu te sens redevable envers elle, mais tu es vraiment obligé de sourire comme ça? Désolé. Je ne t'ai pas demandé de t'excuser, je veux juste qu'elle sache qu'on garde un œil sur elle. Vous pouvez vous rapprocher, mais je veux qu'elle comprenne que je passerai toujours avant elle. Alors, que veux-tu que je fasse? Voyons voir, comment dire ça simplement? Je suis le numéro 1 et Eleonore est la numéro 2, d'accord? J'ai compris. Tu es la numéro 1 et la numéro 2. C'est ça, numéro 1. Ne t'inquiète pas, je comprends. C'est pas ce que je veux dire. Elle est très émotive. Hein. Très très émotive, cette Velvet. Alors, on passe d'un donjon à l'autre, il n'y a pas de pause quoi. Hein. Il n'y a pas un petit truc, non. Où ça sent le boss, ça. Après, depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en enchaîner. Une chandelle? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je pense qu'on s'en servait pour tenir les pilleurs à distance, comme des sortes de gardes autour de la tombe des anciens rois. J'ai lu ça dans un livre. Il y a une astuce pour la pierre. Ces choses-là réagissent à la chaleur. À la chaleur, tu dis? Alors il ne reste qu'une seule chose à faire. Certaines portes sont scellées par un enchaînement. Le seul moyen de les ouvrir, c'est de trouver et d'allumer les bougies de la zone. D'accord. Ok. Donc c'est à ça que ça sert les pierres de flamme. Bah non, même pas. Bon. Pas grand chose ici. Hein. S'il y a un marchand, il y a peut-être une sauvegarde. Je visite. Hein. Est-ce que les combats, je les ferai un peu plus de mon côté, comme ça, vous avez l'histoire hein, principalement. Tiens, une plante. Ça, c'est bien ça. On va accéder au port de Cadnis par les tunnels qui se trouvent derrière la porte télé. Une seconde, cette information aussi était gratuite. Acheter. Bon, j'ai pas eu trop de problèmes. Oh. Tout ce qu'il y a, les frérots, tout ce qu'il y a. Wouh. Ah ouais, j'en ai quand même pour 11 500. Hein. J'ai accès à des réductions. Ah oui. Alléluia. Enfin, un nouveau truc pour reprendre sa vie.
Ah non, encore. C'est qui lui? Non. Tu es vraiment dingue comme démon. Tu as la tête la plus dure que ta propre épée. C'est qui? C'est le seigneur Shigure. C'est l'un des deux seuls égorcistes légats de tout l'abbaye. Un légat comme Melchior. Oh tiens, Eleonore, quelle surprise. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été capturé par un démon? Ou tu as retourné ta veste? Eh bien, je... Peu importe, je suis plutôt indépendant moi-même. Je serais mal placé pour te faire la leçon. En tout cas, c'est vraiment un jour de chance. Je n'aurais jamais pensé que je tomberais sur la seule et unique tonnerre étouffée. Et Shigure, je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait que tu t'intéresses un peu à lui. Il a l'air tristouné. Tu as raison, où sont mes bonnes manières? Mais j'ai toujours adoré taquiner mon petit frère. Pas vrai, Hokuro. Vous êtes frère? Tu n'as pas changé, Shigure. Tu dois être aveugle, mon pauvre vieux. Je suis bien plus fort que la dernière fois que tu m'as vu. C'est toi qui n'as pas changé. Je serais prêt à parier que tu essaies toujours de trouver un moyen de me vaincre. Alors comme ça, celui que tu veux anéantir, c'est ton propre frère? Moi aussi, j'ai changé, mon frère. Oh, mais tu es un démon maintenant. Voilà qui commence à devenir intéressant. Mais est-ce que ça t'a réellement changé? C'est l'épée divine, ça? Quand ma tonnerre hurlante brisera à nouveau le déchet qui te sert l'épée, est-ce que tu vas encore te pisser dessus comme la dernière fois? Je m'occupe de lui. La ficette, quoi qu'il arrive, tu restes à l'écart, compris? D'accord. Ça va être dur, hein. Ouah, il a une de ses ranges. Après, il est un peu lent, hein. Je prends déjà des gros dégâts, donc... Oh, vas-y, mais lui aussi, il peut pas s'arrêter dans un combo, gros. Voilà. Si j'essaie de le counter, ça marche pas. Ouais. Autant recommencer, hein. Mais oui, mais oui. Mais c'est quoi celui, son truc? Ouah, mais vas-y. Bon, c'est fini, je suis mort. Il a vraiment des attaques de nul, hein. C'est vraiment... C'est nul. Il a des attaques de nul, le frérot, en même temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Attaque pas avec des couteaux quand t'as une épée divine devant toi, quoi. C'est le mec qui sort le couteau de cuisine, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, vas-y, c'est une catastrophe. Ok, ça c'est déjà mieux. Nice.
Mince. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Frérot, arrête. Oh là là, mais non. Attendez, attendez. Parce que là... Oh, mais vas-y. Ok, nice. Ok, je suis déjà bien là. Aucun doute, tu es bien un démon, un vrai petit bagarreur. Et là, je crois que ton retrait touche à sa fin. Qu'est-ce que... Mon corps bouge tout seul? Je t'ai dit de rester en dehors de ça! Au contraire, ça ne fait que commencer. Oh, oh, tu ne te rends pas cette fois? Mais nous en avons fini pour aujourd'hui. Shigure! Oh, calme-toi, Rokuro. Il faudrait que tu aies une épée digne de ce nom pour donner un peu d'intérêt à ce combat. Tu devrais aller demander à ce vieux schnock de t'en forger une. Je t'attendrai. Qui? Lui? Oui, le démon à l'armure, Kurogane. Le forgeron de la légende? Je t'attendrai à Cadnix et tu ne quitteras cette île que si tu arrives à me battre. Qui es-tu pour décréter ça? Ça vous pose un problème, mademoiselle? Bonne chance, les démons. Vous allez en avoir besoin. Seigneur Shigure, monsieur, je suis en mission spéciale. Ma petite Eleanor, j'ai compris. Tu veux jouer les durs. Amuse-toi bien avec tes nouveaux amis. Mais si je te revois, je te tuerai de mes mains. Il ne s'est même pas donné à fond. Peut-être que nous pouvons combattre tous ensemble. Ça ne marchera pas, mais il y a un autre moyen. De quoi parlez-vous? Quel autre moyen? Suivez-moi. Rokuro? Velvet, on ne devrait pas le suivre? C'est son combat, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais Shigure a dit qu'il nous attendrait au port. Il est peut-être fou, mais ça m'étonnerait qu'il soit assez idiot pour nous laisser passer. Exactement. C'est un épiste encore plus talentueux qu'Artorius. Ce qui n'est peu dire. Nous sommes tellement de petites souris prises au piège. Kurogane semble pour le moins avoir un plan en tête. Très bien. Écoutons ce qu'il a à dire. C'est une blague. À quoi tu pensais en attaquant un légat de la sorte, Eleonore? Ah bien... J'ai cru que Rokuro allait mourir si je ne faisais rien. Oh, tu tuerais l'un de tes alliés pour protéger un démon? Je n'ai pas réfléchi. Parfois, je peux me montrer vraiment trop sensible. Je dirais que c'est moins une question de sensibilité. Tu es censé protéger la ficette. Ne cours pas de risques inutiles. Même si l'un des nôtres est en danger? Oui. Elle doit vraiment tenir à ce petit. Très bien, je comprends. La ficette. Si elle recommence ce genre de choses, arrête-la. On ne sait pas ce qu'elle manigance.
D'accord. Merci de ne pas m'avoir dénoncé, Éléonore. Désolé d'avoir pris le contrôle. Je sais que c'est de vouloir protéger les amis. C'est plutôt ces démons que je ne comprends pas. Je pense que Velvet ressent la même chose, du moins en ce qui concerne son frère. C'est pour ça que tu restes avec elle? Je sais pas, c'est difficile à dire. Il va falloir que je comprenne comment fonctionne ce groupe si je veux avoir une chance d'enlever le petit. C'est quoi cette espèce de gros chat avec Shigure? Morgrim, c'est une malaque, même si elle n'en a pas l'air. Et quoi? Elle a les mêmes capacités que les autres malakim? Je ne te cache rien, hein. Tout ce que je sais, c'est son nom, et c'est que c'est une malaque. Le seigneur Shigure est un légat exorciste, mais c'est aussi un guerrier capable de rivaliser avec des exorcistes ou des démons, même sans art de malak. Comme personne n'a vu Shigure utiliser d'art, Morgrim est considéré comme une des sept merveilles de l'abbaye. Les sept merveilles de l'abbaye? Personne ne connaît les capacités de Morgrim, ni même en quoi consiste le pacte qui l'unit à Shigure. Personne, à part moi, bien sûr. Hein? C'est ultra confidentiel, mais Morgrim est extrêmement fainéante. C'est qu'elle a demandé en échange de son pacte avec le seigneur Shigure, c'est une toilettage et un traitement anti-puce. Rien d'autre? Oh, elle est un peu susceptible, donc on ne doit pas dire qu'elle est grosse, mais juste enveloppée. C'est peut-être notre ennemi, mais c'est aussi une femme, qu'il convient de traiter respectueusement. Rien d'autre? Ces gros sourcils font fureur chez les Malakim, à tel point qu'il paraît que les faux sourcils vont devenir à la mode. Eh bien, s'il est aussi puissant sans arbre de Malak, je n'ai pas envie de voir ce dont il est capable quand il s'en sert. C'est une blague là. Ils m'ont emmené où là? Rien à faire ici. Bon, bah j'espère que le trou c'est pas le même que celui que j'ai pris juste avant. C'est un labyrinthe cet endroit, c'est dingue. Ça m'embête. Super.
c'est infernal. Pas trop tôt.